moi pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo un peu particulière que vous pouvez entendre. Aujourd'hui on va faire la vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions. Enfin les questions que j'ai reçues sur les commentaires de la vidéo. Donc là j'ai mon PC à côté de moi où j'ai vos commentaires, bien sûr vos questions. Donc voilà, je vais lire un par un vos commentaires et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions, ce que vous m'avez posé tout simplement. Donc on va commencer par tout simplement par une question de Alex Gaming qui m'avait envoyé simplement une petite vidéo sur Messenger où il posait deux questions. Donc on va écouter là tout de suite. Vous allez pouvoir voir la vidéo de Alex Gaming où il pose mes questions et je vais lui répondre. Salut l'ami, c'est Alex Gaming. Moi, tu me connais. J'espère que tu vas bien, Charlie. Alors, je vais te poser deux questions. Alors, la première question, c'est quelle est la meilleure pièce que tu as dans ta collection que tu tiens avec beaucoup à cœur? Voilà. Et la deuxième question, pourquoi tu te fais faire des vide-greniers et quelle motivation que tu fasses des vide-greniers en fait? Voilà. Voilà mes deux questions. J'espère que ça te plaira. Et je te dis à la prochaine, Charlie. Allez, ciao! Alors Alex, voilà, merci déjà pour cette petite vidéo que tu m'avais envoyée. C'est vraiment très très gentil. Donc franchement, déjà par rapport à ta première question, ma plus belle pièce que j'ai actuellement dans ma collection, pour moi ce serait le Mario Kart Super Circuit que j'ai trouvé une fois sur la, enfin qui est sorti bien sûr sur la Game Boy Advance, que j'ai pu le trouver pour une petite trentaine d'euros. Mais qui était vraiment en très très bon état. Parce que vous savez, je sais pas si vous le savez tous, mais voilà, moi j'ai une petite collection. Je savais pas longtemps que j'ai commencé la collection, donc franchement, j'ai que des titres classiques, des titres la plupart du temps plus ou moins faciles à accessibles. Mais pour moi, ma plus belle pièce, comme je viens de le dire, ce serait le Mario Kart Super Circuit que j'ai trouvé sur la Game Boy Advance en parfait état la boîte et au complet. Donc, ça voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, ce serait peut-être pour le moment la plus belle pièce. Et pour répondre à ta deuxième question, eh ben, les vide-greniers, ben, j'ai commencé il y a maintenant de cela, il y a maintenant bientôt un an que j'ai commencé les vide-greniers, ça fait bientôt un an. Je crois que j'ai commencé en juillet ou en août, je ne sais plus, les vide-greniers. Et en fait, et ma motivation, ben, c'est tout simplement. Parce que comme tu m'as bien de me répondre, quelle est ma motivation pour faire les vide-greniers? Bah déjà, la motivation, parce que c'est vrai que moi maintenant je me lève tôt pour les vide-greniers, pour faire les bonnes affaires, etc., pour trouver les belles pièces de jeux vidéo. Mais parce que j'aime bien, et dans les vide-greniers, trouver des nouvelles pièces pour la collection, le fait de négocier, tout ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa. En plus, tu peux, comme dit, tu as les produits devant toi, tu peux voir si. Bah, selon l'état, si ça vaut le coup de le prendre ou pas. Et ouais, comme dit, c'est pour moi, c'est une motivation, quoi. Et excusez-moi. Et comme dit, pour moi, j'avoue que je fais un big grenier, bah, c'est ma motivation, c'est tout simplement, de me fixer un objectif, de trouver certains jeux que je possède pas dans la collection, plus ou moins rares. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Alex, enfin à tes questions plutôt. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux autres commentaires, cette fois-ci aux questions que vous m'avez envoyées. Donc on va commencer par Lucas Gaming, qui m'a envoyé deux questions. Donc qui m'a tout simplement répondu, quels sont tes projets pour le futur de ta chaîne? Et deuxième question. Ah non, il m'a posé trois questions. Et est-ce que tu feras encore des vide-greniers? Et feras-tu la Brasée de Lille cette année? Alors, pour le futur de la chaîne, pour te répondre à Lucas Gaming, le futur de la chaîne, comment je vois le futur de ma chaîne, enfin mes projets pour le futur de la chaîne, ce sera simplement de proposer un jour des streams de meilleure qualité, en utilisant bien sûr des boîtiers de capture pour pouvoir stream sur différentes consoles actuelles, de meilleure qualité sur la PS4 déjà, même si je peux déjà faire stream sur la PS4, sur la Xbox One que j'aimerais bien posséder un jour, et aussi sur la Switch. Où j'aurai un channel, bien sûr, plus tard, un logiciel spécial de streaming sur mon PC pour pouvoir, bien sûr, faire des streams de qualité. Mes autres projets, c'est pourquoi pas faire des vlogs, c'est vraiment des endroits où je pars,
des événements de jeux vidéo comme la braderie que j'aimerais bien faire en septembre, ou bon, pourquoi pas un jour la Pixel Day ou d'autres événements comme la Paris Games Week, etc. Et j'ai aussi d'autres projets. Mon autre projet dans le futur, c'est faire des vlogs en moto. Parce que, en fait, depuis un certain temps, j'aimerais bien faire de la moto. Et je pense que l'année prochaine, parce que j'ai mis l'argent de côté aussi, l'année prochaine, j'aimerais bien passer mon permis moto et bah, vraiment faire la moto. Et ce serait vraiment sympa que je me trouve, dès que j'aurai le permis moto, de m'acheter une petite GoPro aussi pour pouvoir faire des vlogs en moto, etc. sur la chaîne. Ce qui apportera bien sûr un nouveau petit concept sympa. Après, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire pour le futur de la chaîne, en tout cas, moi. C'est vraiment un truc voilà, qui me tient à cœur. Est-ce que tu feras encore des vide-greniers? Alors, bien sûr, les vide-greniers, ce sont les thèmes principaux de la chaîne YouTube maintenant. Oui, je ferai encore des vide-greniers. Ça, il n'y a pas de souci. Les vide-greniers, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime bien faire. Et malheureusement, bon, vous savez, actuellement, on ne peut pas faire de vide-greniers parce qu'avec le confinement, tout ça, on ne peut pas rien faire. Et je pense que c'est pas prêt de reprendre les vide-greniers. Donc, je pense que pour 2020, c'est un petit peu mort au niveau des vide-greniers. Mais dès que les vide-greniers reviendront, oui, ça, c'est sûr, il y aura le retour des vide-greniers. Ça, c'est sûr. Et est-ce que je ferai la braderie de Lille cette année? Et ben, normalement, c'est prévu que je fasse la braderie de Lille en septembre, justement, avec Alex Gaming. Mais malheureusement, malgré avec la crise qu'on vit actuellement, avec le confinement, et même avec le déconfinement plus tard, je sais pas si la braderie sera maintenue ou non. Parce que j'ai vu un peu sur les actualités que la braderie, c'est peut-être pas sûr qu'il la maintienne, qu'il risque de l'annuler en septembre. Donc, on verra bien. Là, je suis actuellement les actualités par rapport à la braderie, donc on aura une réponse d'ici peu de temps si la braderie sera maintenue ou non. Ce que j'espère pas, j'espère qu'elle sera maintenue en tout cas. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, en tout cas, toutes tes questions. Donc maintenant, on va passer à d'autres questions. Cette fois-ci, j'ai deux questions pour celle du salon Edidine. Donc, merci déjà pour avoir laissé des commentaires. Donc déjà, il m'a fait les félicitations pour les 500 abonnés, donc merci, c'est très gentil. Donc big up à toi. Donc voilà, deux questions. Quelle est ta console préférée et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans YouTube? Alors déjà, quelle est ma console préférée en tout? Alors franchement, j'hésite entre deux consoles. C'est soit la N64 ou la GameCube. La GameCube, parce que voilà, c'est une console qui possède énormément de titres, excellent, excellent, etc. La N64, c'est parce que c'est ma toute première console que j'ai pu jouer à l'époque, tout simplement, quand j'étais plus jeune. Pour moi, ce serait vraiment la N64, ma console préférée. Donc voilà, c'est vraiment comme dit la console qui m'a un peu initié aux jeux vidéo. Et malgré qu'elle n'ait pas tant que marché ça à l'époque, la N64, voilà, il y a quand même eu des très très bons titres auxquels je me suis bien amusé dessus. Donc voilà, c'est la N64 dans la console de cœur. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer dans YouTube? Et ben tout simplement à l'époque sur YouTube, ce qui m'a donné envie de lancer, c'est en fait j'avais. À l'époque, je suivais des YouTubeurs, des jeunes YouTubeurs qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés, qui faisaient du Battlefront 2 ou d'autres jeux qui m'intéressaient. Je les suivais, on était même devenus amis. Et eux, ils avaient des chaînes YouTube, ces deux personnes là où que je suivais. On était très 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 proches. Là, je suis encore proche avec quelqu'un là actuellement. Je jouais avec eux par moment quand ils étaient en train de stream, et c'est là qu'ils m'ont dit voilà, tu devrais faire une chaîne YouTube, tout, faire des streams, etc. Ça peut être bien, tout ça, tu pourras gagner plein d'abonnés, tout. Et au début, j'étais pas chaud, et finalement, ça m'a, au fur et à mesure que je suivais leur live, etc., bah, ça m'a donné envie de me lancer sur YouTube, moi aussi faire des streams, partager ma passion du jeu vidéo, notamment sur la PS4 à l'époque. Parce que pour ceux qui me suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez, voilà, au début, ma chaîne était consacrée uniquement au stream, donc voilà quoi. Donc c'est vraiment normal. Enfin, c'est normal que je fasse beaucoup le stream. Et donc voilà, c'est vraiment à ces youtubeurs, donc je dédicace bien sûr à Bazu et à Kevin Nino de m'avoir donné envie de stream, de commencer ma carrière YouTube. Parce que voilà, c'est quand même grâce à eux. Hein. Si aujourd'hui je peux vous parler actuellement, faire des vidéos, continuer la chaîne YouTube. Donc c'est vraiment un peu grâce à eux, ça m'a donné envie de lancer sur YouTube. Donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. Donc maintenant j'ai trois questions pour Natrix. Ouais, Natrix. Alors, voilà. Donc Natrix. Alors quel est mon personnage préféré dans Star Wars? Quel est mon jeu préféré?
Et est-ce que j'ai déjà mis Mosh chez moi? Et GG pour les 500 abonnés. Bah merci déjà Natrix pour les 500 abonnés, ça fait plaisir. Alors, mon passage préféré dans l'univers Star Wars. Pour te répondre, dans Star Wars, le problème c'est que j'ai pas vraiment de personnage préféré parce que j'ai tellement de personnages que j'adore dans l'univers Star Wars, donc je pourrais pas vraiment te dire quel est mon personnage préféré parce que j'en ai plein 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 que j'adore, que ce soit dans l'univers légende, que ce soit dans l'univers canon. Je pourrais pas te le dire, franchement, je pourrais pas choisir un seul personnage que j'aime vraiment énormément. Moi, j'en ai plusieurs que j'aime en nous, donc je pourrais pas vraiment te dire quel est mon personnage préféré. Mais si je dois te dire un personnage, au moins quelques personnages, ce serait des classiques comme Obi-Wan, Anakin, Vador, Dark Maul, etc. Satichan, Dark Malgus, tu vois. Là, c'est par exemple des personnages que j'affectionne beaucoup énormément. Mais voilà, je pourrais pas te dire qu'un seul personnage que j'aime énormément. Mon jeu préféré, là pareil c'est compliqué parce que je suis sur beaucoup de jeux, que ce soit du rétro, du récent, je fais beaucoup de jeux. Mais si j'aurais à dire un de mes jeux préférés actuellement, ce serait bien sûr Star Wars Battlefront 2 parce que c'est l'un des jeux que je vous propose beaucoup beaucoup sur la chaîne YouTube, sur les streams, etc. Parce que je suis un grand fan de l'univers Star Wars. Et ouais, voilà. Ce sera pour moi Star Wars Battlefront 2 actuellement parce que voilà, c'est un de mes jeux favoris que j'aime bien jouer, bien sûr, avec une team actuellement que je joue sur Battlefront 2, etc. Et enfin, voilà quoi. Donc, c'est vraiment Battlefront 2 mon jeu préféré actuellement, bien sûr. Hein, mais après, j'en ai plein d'autres des préférés des jeux hein, qui sont peut-être larges bien mieux que Battlefront 2, mais actuellement, ce sera Battlefront 2. Et est-ce que j'ai des animaux? Oui, j'ai des animaux, donc j'ai deux chats. Hein. J'avais avant aussi des hamsters, mais qui sont morts malheureusement il y a maintenant quelques années. Hein. Mais j'ai actuellement, donc j'ai deux chats, oui. J'ai deux chats. Donc voilà, ouais, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, etc. Natrix. Donc merci en tout cas pour tes commentaires aussi. Hein. Donc ensuite, j'ai encore deux autres questions pour Alex Gaming qui m'a envoyé aussi deux commentaires. Hein. Donc voilà, Alex, donc ce que tu m'as encore posé, quel est mon repas préféré hein, est-ce que tu collectionnes tes jeux depuis combien de temps? Donc déjà, mon repas préféré, je pourrais te dire que déjà, c'est le bœuf bourguignon. Oui, je sais pas, le bœuf bourguignon, c'est un plat, c'est mon plat préféré, je sais pas, c'est quelque chose que j'adore énormément. Quand ma mère, mes grands-parents, ou même au restaurant, quand je prends du bœuf bourguignon, je sais pas, j'adore, je sais pas, j'adore le bœuf bourguignon, je sais pas, c'est quelque chose que j'adore énormément. Donc voilà, c'est le bœuf bourguignon. Et tu collectionnes tes jeux depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que je collectionne? Ça fait maintenant depuis bientôt un an, j'ai envie de dire, donc ça doit faire 8 7 ou 8 mois peut-être à quelque chose comme ça que je collectionne. J'ai commencé à collectionner à partir de juillet vraiment. J'avais déjà quelques jeux que je possédais depuis très longtemps, depuis mon enfance, d'autres jeux, bien sûr des quelques jeux PS4 parce que j'étais à fond sur la PS4. Mais vraiment quand j'ai commencé c'est à collectionner, c'est vraiment depuis mi-juillet quoi. Mi-juillet j'ai commencé à collectionner. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Ensuite j'ai trois questions de Lucien Geek Gamer qui me dit: As-tu des animaux? Quelles sont tes autres passions autres que le jeu vidéo? Et quelle sera la future console que tu prendras prochainement? Donc déjà, est-ce que j'ai des animaux? Oui, j'ai répondu juste avant. Oui, j'ai deux chats. Quelles sont tes autres passions autres que le jeu vidéo? Donc mes autres passions, ce serait bien sûr, donc passion c'est Star Wars, donc vous savez déjà très très bien la plupart. Une autre passion. Derrière vous, je collectionne aussi les pierres. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, collectionner les pierres précieuses. Dès que j'en trouve, j'aime bien. Et mon autre passion aussi actuellement que j'aimerais bien faire, bien sûr que j'ai déjà parlé au début de vidéo, ce serait la moto. Une autre passion que j'adore énormément, que j'aimerais bien développer dès que j'aurai bien sûr le permis moto un jour. Donc voilà. Vraiment, c'est ça mes toutes passions. Donc voilà. Donc là, j'ai d'autres commentaires, mais vous ne me posez pas de questions. Mais donc là, j'ai par exemple un commentaire de Phantom Force qui me disait GG pour les 500 abonnés. Donc merci pour ce commentaire. Même si tu n'as pas posé de questions, mais merci quand même à toi. Alors ensuite, on va passer à la question de AC-Styles27. Donc, quel est le jeu que tu voudrais absolument avoir dans ta collection? Et deuxième question, comment comptes-tu t'organiser dans les prochaines années pour le rangement de ta collection? Auras-tu un manque de place? Alors c'est comme des questions très intéressantes. Donc déjà, quel jeu je voudrais absolument avoir dans ma collection un jour? Franchement, c'est très très dur parce que j'ai plusieurs jeux que j'aimerais bien posséder un jour dans ma collection.
Déjà, ce que j'aimerais posséder un jour, ce serait déjà notamment le Rule of Rose sur la PS2, qui est un jeu extrêmement rare actuellement à posséder. Je sais pas, c'est un jeu que j'aimerais bien posséder moi que ça parce que c'est une rareté. Mais sinon, s'il y a vraiment un autre jeu que j'aimerais posséder absolument, ah ouais, ce serait quand même le Paper Mario et la Porte du Millénaire qui est sur la GameCube, qui est quand même assez dur à trouver actuellement et qui coûte quand même un certain prix. Donc c'est vraiment, vraiment ces deux jeux-là que j'aimerais posséder absolument dans ma collection, au moins projet que j'aimerais bien. Donc voilà. Et la deuxième question qui disait comment tu m'organises dans les prochaines années pour les rangements et si j'ai pas un manque de si j'ai un manque de place. Et ben tout simplement ben, comment je vais m'organiser parce que là pour le moment actuellement j'habite encore chez mes parents. Alors pour les futurs pour les prochaines années bien sûr d'ici quelques années j'aimerais bien sûr avoir un appartement bien sûr pour pouvoir m'y installer seul pour bien sûr j'irai m'acheter des nouveaux meubles pour la collection parce que je pense que d'ici les prochaines années ma collection sera vraiment immense d'ici les prochaines années. Et comme dit, auras-tu un manque de place? Bah si je suis encore chez mes parents, je risque d'avoir encore ouais, un manque de place parce que moi je suis dans une petite chambre. Donc si d'ici quelques années je suis encore chez mes parents, oui je risque d'avoir un manque de place. Mais j'aimerais d'ici quelques années d'avoir un appartement pour m'acheter pour plus de place bien sûr pour transposer ma collection pour mieux la disposer quoi. Donc ce sera ça mes plans futurs pour la collection bien sûr avoir un appartement pour pouvoir ajouter des nouveaux meubles pour pouvoir mieux disposer ma collection etc. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions à cette ilette. Donc merci en tout cas d'avoir participé à cette FAQ. Donc maintenant on va passer aussi à Chinou 2009. Donc le youtubeur qui m'a fait c'est la nouvelle intro que vous pouvez voir actuellement. Alors déjà encore GG pour tes 500 abos. Merci encore une fois, ça fait plaisir. Alors voici mes questions. Quelle est ta console récente préférée? Attends, récente préférée. Quelle est ta console rétro préférée? Quelle sera la pièce que tu rêverais d'avoir mais que tu penses qui est inaccessible? Quel est le jeu le plus coté que tu possèdes et quel est le jeu que tu as dans ta collection et que tu aimes dont tu as un peu honte? 5 questions, c'est déjà pas mal. Effectivement, tu m'as posé pas mal de questions. Alors, ma console récente préférée, ben, actuellement, ce serait la PS4, parce que c'est la console que je joue le plus, forcément. Donc, voilà. Ma console rétro préférée, ben, ça reste comme j'ai dit bien avant, ce serait soit la GameCube ou la N64, mais c'est vraiment la N64, ma console rétro préférée. Quelle serait la pièce que tu rêverais d'avoir, mais que tu penses qui est inaccessible? C'est une bonne question parce que c'est dur à dire. Parce qu'en fait, il y a des pièces que j'aimerais bien avoir, mais non, qui est peut-être inaccessible. Franchement, ce serait. Franchement, je sais pas, j'ai aucune idée. Franchement, j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça parce que ça, il y a tellement de jeux j'aimerais bien beaucoup de jeux mais qui sont accessibles, mais ceux qui sont inaccessibles. Ah, ce serait le. Ah oui, le Bad Fur Day, vous savez, l'espèce d'écureuil là, qui est sorti sur la N64. Moi, ça, c'est un jeu que j'aimerais bien posséder, mais qui coûte quand même assez cher maintenant pour avoir pour version patch. Genre, tu peux l'avoir entre 200 et 300 euros. Pour moi, ce serait un jeu quand même assez inaccessible que j'aimerais bien posséder, franchement. Donc, le Bad Fur Day, si je dis bien le nom du jeu, hein. Vous savez, l'écureuil qui est un peu bourré, tout ça, à chaque fois, qui est sorti sur la N64. Donc voilà, ouais, c'est un jeu que j'aimerais avoir. Quel est le jeu le plus coté que tu possèdes? Et ben actuellement, comme tu le sais, je n'ai pas une grosse collection actuellement. C'est pas longtemps que j'ai commencé la collection. Donc j'ai pas vraiment de jeu le plus coté. Peut-être le jeu le plus coté que je possède de ma collection, ce serait. Ah, c'est difficile à dire parce que j'ai pas vraiment de gros titres cotés. Ce serait peut-être Donkey Kong 64 qui est pour moi le jeu le plus coté parce que je l'ai quand même payé un certain prix le Donkey Kong 64 en boîte donc ouais ce serait le Donkey Kong 64. Quel est le jeu que tu as en question que tu aimes et dont tu as un peu honte? Un jeu que j'aime et que j'en ai un peu honte. Là pareil c'est difficile à dire parce que j'en ai plein. Enfin des jeux que j'aime maintenant où j'ai pas vraiment honte. Peu, 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 peu.
Ouais, ce serait comme Lego Star Wars 3, hein, qui est sorti sur la Wii à l'époque. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, les Lego Star Wars. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien. Que j'en ai peut-être un peu honte, mais pas tant que ça finalement. Parce que j'ai pas vraiment honte de mes jeux en final. Mais voilà, si j'aurais dire ça, c'est simplement Lego Star Wars. Parce que voilà, Lego, on peut penser que c'est pour les enfants, etc. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est les jeux Lego. Principalement Lego Star Wars, j'aime bien. Mais après, j'ai pas spécialement honte d'aimer ce genre de jeu. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu en tout cas à tes questions, en tout cas l'ami. Donc voilà, merci en tout cas pour tes questions. Donc ensuite, j'ai aussi un commentaire du nom de Léo. Quels sont les jeux que tu voudrais dans ta collection? Alors, les jeux que je voudrais dans ma collection, il y en a plein. Ce serait déjà bien sûr le Secret of Mana sur la Super Nintendo, les Paper Mario sur la GameCube, le Resident Evil 2 sur la GameCube également. Enfin, plein, j'en ai plein que j'aimerais bien avoir dans ma collection, franchement, des gros classiques. Le Ikaruga aussi, que j'aimerais bien avoir sur la GameCube, qui est quand même assez cher actuellement. Mais voilà, c'est plein de titres comme ça que je voudrais posséder absolument dans ma collection. Et on va passer aux dernières questions qui vient de Chris et pas des addicts du vigreux. Donc, j'ai big up à vous, les amis. Donc, merci d'avoir répondu pour la FAQ. Dans quelle région tu habites et comment tu as découvert les vigreniers? Donc, dans quelle région j'habite? J'habite simplement en Alsace. Donc, voilà, pour ceux qui ne savaient pas encore, je viens d'Alsace. Tout simplement, je suis alsacien. Donc voilà, et comment as-tu découvert les vigreniers? Et ben les vigreniers j'ai découvert grâce à Polo Débile et à Kirby 54. Pour moi c'est vraiment parti de là que j'ai commencé vraiment les vigreniers, c'est vraiment à partir de là. Donc Kirby 54 c'est un youtubeur déjà que je suivais depuis un certain temps, que j'aimais bien son concept de collection de jeux vidéo, tout, qui commence à m'intéresser. D'ailleurs c'est même lui qui m'a un peu lui qui m'a motivé à faire des collections de jeux vidéo. Mais vraiment c'est vraiment ouais, Kirby et Polo Débile où à l'époque je regardais souvent beaucoup leurs vidéos vigreniers hein, parce que je sais pas, j'aimais bien ce qu'ils trouvaient en jeu parce qu'ils donnent, quand je voyais qu'ils trouvaient même des fois des jeux rares, j'étais sur le cul parce que voilà, ouais, tu vois des jeux rares qui coûtent un certain prix hein, et là tu les trouvais pour une bouchée de pain à certains moments, donc franchement ça m'a donné vraiment envie de commencer les vigreniers. Donc ouais, c'est vraiment Kirby 54 et Polo Débile qui m'ont donné envie de me lancer dans les vigreniers. Donc voilà. J'ai fini, j'ai lu toutes les questions. Ouais, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais eues sur la vidéo spéciale FAQ. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu, les amis. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à laisser plein de commentaires encore une fois, et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je tiens aussi encore une fois à vous remercier pour les 500 abonnés. Parce qu'on est même actuellement à 531 abonnés. On a grave augmenté ces 3 derniers jours, ce qui est simplement énorme. Donc je vous remercie à tous. Vous pouvez dire dans les commentaires GG à vous tous. C'est grâce à vous si je continue aujourd'hui les vidéos, les lives, etc. Donc merci encore une fois à vous. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires pour la FAQ. Donc gros big up à vous tous. Donc voilà. En tout cas, ouais, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions correctement, etc. Donc voilà. Et donc la prochaine FAQ sera certainement pour les 600 abonnés, en espérant qu'on les atteint très très vite aussi. Donc voilà, je vous remercie à tous. Vous êtes les meilleurs. Allez, ceci dit, je vous laisse. Ciao, bye bye et à la prochaine.